Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale en attendant la prochaine sur l'écologie qui sera intéressante normalement pour vous, pour laquelle j'ai fait pas mal de recherches. Là, je préfère faire une petite vidéo en facecam, comme ça, avec évidemment El Famoso Micro, le bon micro des familles. Du coup, il va être question des articles 11 et 13 de la directive des droits d'auteur. Je sais, Tatiana Ventose a fait une excellente vidéo là-dessus. Je voulais répondre vite fait un peu à la vidéo de Julien Chies, qui m'a fait un peu rire, notamment quand il parle de « oui, Internet va devenir lisse et neutre », alors que Julien Chies lui-même est lisse et neutre. Ça me fait un peu rire. Bah, un petit tac à Julien Chies, c'est pas bien méchant, hein. Du coup, recontextualisons un peu les choses. Quelles sont ces directives? C'est l'article 11 et l'article 13. Alors, l'article 11, lui, prévoit la mise en place d'une rémunération de la presse lorsqu'il y a des liens qui sont postés sur des plateformes en ligne comme Google Actu, ou encore Twitter ou Facebook, par exemple. Du coup, je sais pas ce qui va se passer pour l'article 11 et vis-à-vis de Google là-dessus. Bon, personnellement, j'ai une petite idée parce que ça s'est déjà fait en Espagne, mais Google Actu, je pense qu'au sein de l'Union Européenne, il n'y aura plus. Et je pense que là, ils ont très mal joué leur jeu. Parce que bon, Jérôme Deschênes, le mec, c'est clairement un lobbyiste pour ces deux articles de cette directive droit d'auteur. Cette personne-là, enfin, l'explique bien, en fait. Il s'agit tout simplement de récupérer du pognon sur le dos des GAFAM. C'est vraiment symptomatique du mauvais débat qui est fait à ce texte et qui a été, en fait, très mal compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la paupérisation de la presse, c'est quand même une évidence. Elle est constatée partout sur la plupart des titres. Et aujourd'hui, la consommation, quand vous parlez de lectorat, le lectorat de la presse, c'est essentiellement smartphone, des choses qui sont poussées directement et qui viennent piller, moi je parle de pillage, littéralement, de détournement des contenus pour lesquels il n'y a aucune monétisation possible, puisque tous les algorithmes, tout ce qui est la publicité, tout ce qui permet la data, la mobilisation auprès d'annonceurs, etc., est réservé dans les entreprises de la Silicon Valley. Et c'est aujourd'hui ça le défi de ce texte, c'est précisément de dire il y a des règles du jeu. À partir du moment où vous allez tirer profit, c'est ça le droit d'auteur, vous allez tirer profit de quelque chose qui est éditorialement conçu en Europe, par des créateurs, des journalistes en l'occurrence européens, vous devez rétribuer dûment ces journalistes à la hauteur des recettes que vous faites. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sauf que je pense qu'ils le font d'une très mauvaise manière. Parce qu'en effet, pourquoi est-ce que Google voudrait rémunérer une partie d'un truc qui finalement génère très peu d'argent? Pour Google, Google Actu, c'est très peu d'argent au final en comparaison de ses autres services. Très très peu, hein. Du coup, la généralisation des rémunérations pour les articles de presse, bah finalement, le plus gros dans l'affaire, ça va être Facebook, ça va pas être Google, donc je pense que Google va supprimer Google Actu. Quant à Facebook, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être devoir céder une partie de leur rémunération. Bon, après, c'est Facebook, voilà, Facebook a arrêté d'être cool le jour où vos parents vous ont invité en ami. Mais du coup, ouais, regardez le interdit d'interdire sur cette directive des droits d'auteur, elle est très intéressante. Lien en description. Et du coup, intéressons-nous un petit peu plus au deuxième article de la Discord sur cette directive des droits d'auteur. Ce deuxième article, il s'agit ni plus ni moins que l'article 13 qui, lui, va généraliser le bot Content ID pas seulement à YouTube, mais à toutes les plateformes numériques, notamment Dailymotion, Twitter, Facebook, et qui prévoit la rémunération notamment des ayants droit. Alors là, on a typiquement le genre de truc produit et voté par des personnes qui ne connaissent rien à Internet et qui littéralement sont déconnectées de la réalité. C'est pour ça que je vous demande de regarder cette émission de RT France, parce que on a aussi Greg Tabibian dans cette émission. Et là, le lobbyiste pour qui est pour la directive, lui, il se mange une PLS par Greg Tabibian, parce qu'en effet, le petit Jérôme Deschênes n'a jamais expérimenté les strikes sur YouTube, n'a jamais expérimenté la démonétisation, quand bien même notre vidéo, bah, elle est
forcé d'aborder un certain thème parce que voilà, on parle d'un certain sujet. Ah bah oui, hein, mais de toute manière, c'est une dérive assez dangereuse. On parle de l'interdiction d'un film de 90 minutes de se retrouver sur la toile postée par un utilisateur, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre. La démultiplication de la contrefaçon. Non, parce que ça c'est du piratage. Grégory Tabibian, je pense que c'est vous qui êtes un youtubeur et qui en vivez, hein, vous. Bah, pour jusqu'à présent, jusqu'ici tout va bien. Vous dites qu'on n'a pas la même interprétation du texte. Mais moi, je ne vous parle pas d'interprétation du texte, je vous parle de ce qu'on est déjà en train de vivre. Vous parlez aussi au futur beaucoup, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que Google ne sont pas des gens idiots, ils n'ont pas envie de se retrouver face au fait accompli du jour au lendemain. Donc, le robot existe déjà. Le Content ID a été mis en place à la rentrée. Il existe déjà, ce Content ID. Donc, on est déjà victime de ça. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est la situation dans laquelle sont les gens. Concrètement, vous avez un robot qui va détecter une œuvre. À partir de ce moment-là, vous allez avoir les ayants droit qui, en général, vont avoir le choix entre trois options. Soit laisser faire, parce qu'ils sont cool, c'est-à-dire ce qui n'arrive jamais. Soit réclamer un partage de revenus, ce qui a dû m'arriver une fois avec un extrait de Michel Sardou. Et ce qu'ils font dans l'écrasante majorité des cas, c'est pas revendiquer une partie des revenus, c'est revendiquer la totalité des revenus. Et c'est ce qu'ils font. La totalité des revenus, alors que vous n'avez fait qu'utiliser un extrait. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission de 2h10 dans laquelle on a mis 7 secondes d'archives. 100% des revenus sont partis aux ayants droit. 100%. On le vit déjà. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'on va travailler pendant un mois sur un projet. On va payer une équipe technique. On va payer des gens. On va travailler. Et on va jeter un dé pour savoir si on est payé. C'est-à-dire qu'on va nous dire... Parce que vous avez diffusé 7 secondes, vous n'êtes pas payé. Ça a un nom, cette chose-là. Ça s'appelle de l'esclavage. Et finalement, c'est pas si surprenant que ça de la part de l'Union européenne d'avoir non seulement des directives complètement déconnectées de la réalité, mais en plus de surcroît complètement inapplicables. Oui, l'article 13, en l'état tel qu'il a été voté, est inapplicable, qui va encore être remodifié pour être voté par la suite. Mais surtout, quand on regarde ce qui se passe, déjà... Tout est fait pour ne rien comprendre. Entre la nouvelle langue européiste utilisée, toutes ces choses qu'il faut faire pour récupérer tout ça, heureusement que Wikipédia a mâché le travail et m'a permis de pouvoir retrouver les liens. Heureusement aussi qu'il y a la presse, quand bien même je la méprise au plus haut point, me permet quand même d'avoir la compréhension nécessaire de ce qui se passe, un minimum, parce que rien n'est fait pour que le simple citoyen puisse s'y retrouver en ce qui concerne les lois votées par le Parlement européen. Le Parlement européen qui, je précise, est la seule instance de l'Union européenne à être élue, et normalement à devoir rendre compte face à ses concitoyens, mais qui en fait ne rendent compte qu'à la Commission européenne. Et oui, c'est ça le problème, parce qu'en fait, la Commission européenne, c'est elle qui a le monopole législatif, et c'est elle qui propose les directives, parce que ce qui se passe, l'Union européenne, concrètement, c'est un peu comme une surcouche sur les États, dans laquelle, finalement, les États n'ont plus vraiment leur mot à dire. C'est-à-dire qu'on élit des personnes, qui nomment des personnes, qui nomment des machins, qui sont élus par truc. C'est de la technocratie pure et dure, exactement comme à l'URSS. Sauf que là où l'URSS, finalement, c'était une oppression du peuple et des entreprises pour les bénéfices de l'État, là, c'est une oppression du peuple et des États au bénéfice des entreprises. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est l'Union européenne, finalement, c'est ni plus ni moins que l'inverse de l'URSS, avec une certaine méthode un peu... bizarre pour un parlementaire européen, 7 lobbyistes quand même, hein, et les lobbyistes, eux, ils ont accès à quasiment tout dans le Parlement européen. C'est ça qui est quand même assez marrant. En fait, ce que cet article 13 fait, c'est finalement faire prendre conscience à des gens, comme Julien Chiez entre autres, qui ne connaissent rien à la politique qu'à l'Union européenne, de se rendre compte, bah, des fois, de l'aberration que peut être cette Union européenne et ses politiques complètement déconnectées des réalités. Ce qui veut dire que cet article 13, en l'état, s'il est appliqué et qu'il va devoir être voté par les parlements nationaux, mais en fait, c'est un gros problème pour les libertés individuelles. C'est pas seulement un problème pour les entreprises, enfin, il y a toujours moyen de trouver une solution pour les entreprises ou autres, mais ça va être un problème pour les petites gens comme vous, comme moi. L'Union européenne, quand bien même c'est l'inverse de l'URSS avec des méthodes assez similaires d'un certain côté niveau bureaucratie et technocratie, il n'empêche que l'Union européenne, c'est avant tout les libertés individuelles qui priment, avec la
liberté de circulation des personnes, des capitaux, évidemment pour le bénéfice du patronat, hein, mais c'est avant tout un problème qu'elle n'a peut-être pas dû voir venir. Parce que si elle l'applique en l'état, c'est dramatique pour tout le monde. Genre tout le monde. On voit donc le fonctionnement aberrant de ce système qui est fondé sur la reconnaissance par un robot de contenu protégé. Un robot en effet ne sait pas faire la différence entre un contenu qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le fair use, l'utilisation juste d'un contenu, à savoir l'utilisation à des fins d'illustration, de parodie ou de critique, et un vol pur et simple de contenu protégé. Et honnêtement, vu que les films, les séries, la musique, ça fait un petit peu partie des références qu'on partage au quotidien, il est quand même logique que des créateurs qui font partie d'une génération pour qui ces références-là sont des références communes, c'est logique qu'ils y fassent référence, voire qu'ils utilisent des extraits, et c'est pas pour ça que ça fait d'eux des voleurs. Et alors l'article 13, c'est ce fonctionnement-là, généralisé à toutes les plateformes, après, en gros, que les maisons de disques et les producteurs de films ont fait un lobbying de malade au Parlement européen. Sauf que ça ne sera pas appliqué comme ça. Je pense qu'en fait, il va y avoir du laisser-faire. Alors là, petit disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'alarmer vis-à-vis de l'article 13 de la directive droit d'auteur, je dis juste mon avis sur ce qu'il va se passer par la suite. En fait, mon avis se résume assez rapidement en « finalement, l'Union européenne ne va pas faire grand-chose et va laisser Content ID tel qu'il est ». Mais si ça se trouve, je peux complètement me tromper et effectivement, dans ces cas-là, les 35 millions de chaînes YouTube européennes sont en danger, y compris celle de PewDiePie. Mais ce serait quand même vachement gros que l'Union européenne fasse supprimer 35 millions de chaînes YouTube juste parce qu'elle ne serait pas du tout en accord avec cette directive droit d'auteur. Mais du coup, ça nous fait nous interroger vis-à-vis de l'utilité de l'Union européenne et de savoir si effectivement elle protège l'intérêt de ses concitoyens ou bien ses propres intérêts économiques et ceux des grandes entreprises. Évidemment, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un petit moment et que vous me connaissez, vous devriez savoir sans surprise ce que je peux penser de ceci. Mais c'est aussi le problème de ce format improvisé, c'est que je pars dans tous les sens et que finalement j'oublie ce que je devais dire à l'origine. Et je pense surtout qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir autant de citoyens européens contre elle. Et donc, en plus d'avoir des citoyens contre elle, être aussi implacable vis-à-vis des libertés individuelles. Je ne pense pas qu'elle va se permettre ça. Je pense surtout qu'elle va faire en sorte que Content ID sur YouTube continue, et voire devienne un peu plus dangereux. Mais surtout, ça va généraliser Content ID aussi sur Twitter et sur Facebook. Ça montre surtout qu'on n'a pas vraiment besoin de cette Union européenne, puisque finalement, elle-même est un frein finalement pour nous. Parce que cette directive, elle va devoir être votée par les parlements nationaux. Mais si les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas décider de leur politique, de leur propre politique monétaire, budgétaire, sociale, mais qu'est-ce qu'il leur reste aux États ? C'est là toute l'arnaque de l'Union européenne au final. C'est là où je ne suis pas d'accord avec cette Union européenne. C'est là où je me dis, finalement, vaudrait peut-être éviter de voter ce genre de loi et donc peut-être penser à une sortie de l'Union européenne. Puisque si elle nous fait des directives graves comme ça, et qu'on va devoir voter, mais ça s'appelle de la dictature. Genre, en fait, on a juste à fermer notre gueule et appliquer la politique de l'Union européenne si on est un État. Parce que oui, ce que je ne vous dis pas, c'est que cette directive, à la base, elle ne s'adresse pas directement à nous, citoyens, elle s'adresse aux États. Bah oui, puisque ça fonctionne comme ça, finalement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays actuellement membres de l'Union européenne et qui n'ont pas invoqué l'article 50, vont devoir transcrire cette directive dans leurs droits à eux. Autant l'Allemagne et l'Italie ne sont plus très chaudes, autant là, la France, elle, elle est méga chaude, hein. Oh, c'est étonnant ! Non, c'est pas comme si Jupiter, en fait, était un pro-Europe, et à chaque fois que sa politique merdait, lui disait tout le temps « C'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union Européenne, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. » Voilà, c'est en gros le toutou qui, au lieu de donner une seule papate, en donne deux. C'est toute l'aberration de ce système complètement déconnecté des réalités et absolument pas démocratique. La Commission européenne, personne ne l'a élu. Pierre Moscovici n'est pas élu. Hein, la blague à part, ça me fait bien marrer qu'il y ait cette personne qui a écrasé avec sa chaussure les notes de Pierre Moscovici. Au passage, il y a un député italien qui a écrasé les notes de Moscovici avec sa godasse. Je condamne cet acte imbécile. Quand on a une godasse, quand on a Moscovici, c'est dans la gueule de Moscovici qu'on écrase la godasse. Ça ne sert à rien d'écraser les notes, hein, quand on a la chance de pouvoir écraser Moscovici. C'est que par la suite, il va y avoir les élections européennes en 2019, et au vu du mécontentement des internautes,
Et au vu de la déconnexion des membres de l'Union européenne, enfin, quand je dis des membres, c'est les parlementaires et les commissaires européens, eh bien, vous allez aller au bureau de vote durant les européennes et vous allez mettre un bulletin dans l'urne et vous allez montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors évidemment, pour montrer que vous n'êtes pas d'accord, le but c'est de ne pas voter pour des partis comme LR, comme le PS, comme RN ou UDI ou encore LREM. Ah bah non. C'est précisément ces partis qui nous ont foutus dans la merde. Je vais pas vous dire qui voter, mais en tout cas, quand on regarde la liste des personnes qui ont voté pour ces directives, et notamment pour les articles en question, 11 et 13, et je peux vous garantir que LR, PS, UDI, LREM, c'est mort, hein. Eux, ils vont rien vouloir changer, ils ne défendent pas vos intérêts. Vous savez pertinemment pour qui je vote, je pense que je l'ai assez montré, je ne vais pas vous dire qui voter. Mais surtout, si vraiment, si vous êtes d'accord avec ces directives et si vous êtes d'accord avec l'Union européenne, bah, laissez faire, votez pour les partis que l'on voit le plus à la télé. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ah, il y a d'autres partis qui proposent des alternatives. Je vais pas vous les dire, je vais pas vous dire qui c'est, mais vous savez, voilà. Je suis un homme en colère. Parce que oui, enfin, je parle des élections européennes, mais au final, c'est une toute petite échéance qui va pas changer grand-chose, hein, notamment pour la France. Parce qu'en réalité, les deux seules échéances importantes pour la France, c'est quoi ? C'est les élections présidentielles et les élections législatives. Du coup, la seule grande échéance électorale pour les Français actuellement, c'est 2022. Les européennes... c'est du pipi de chat, quoi. Enfin, vous dites que vous êtes pas content, mais au final, de toute façon, on n'entendra jamais vos doléances. En gros, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Voilà. Bref, c'était ma petite analyse de ces deux articles 11 et 13 de la directive des droits d'auteur de l'Union européenne. Quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreius. Game